Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, toujours avec du soleil. Je vais essayer de cadrer un petit peu tout ça. J'aime trop mon petit maillot. C'est beaucoup mieux. Donc non, je n'ai pas un sourcil plus foncé que l'autre. Quand je m'approche, vous voyez bien que mes sourcils sont pareils. C'est juste que avec l'effet, voilà, l'effet de lumière, on croirait. Mais non. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage violet. Donc j'avais fait un sondage sur Facebook pour ceux qui me suivent. Et donc le violet était ressorti en masse. Donc du coup je vais faire ce tuto. Donc j'ai déjà fait mon teint, base, fond de teint, poudre que je teste mais qui est pas belle du tout, j'aime pas. Enfin bref, je vous en reparlerai. J'ai fait également mes sourcils. Je suis en nage. Je sais pas si vous voyez, je suis en nage d'eau alors que cette poudre, je la déteste. Je la déteste. Horrible. Elle est cakey, elle est horrible. Bref. Du coup, on va tester un maquillage violet. Donc, j'essaierai de vous mettre une image en close-up. Donc, voilà, je pense que ça sera plus simple. Donc, j'ai pris plusieurs palettes. Plusieurs palettes avec des violets. Parce qu'en fait, je dois faire... C'est un total violet avec juste un centre doré. Donc j'ai plusieurs fards violets, plusieurs fards argentés pour essayer de rendre la même chose. Donc déjà on va commencer à faire le creux de paupière avec un violet. Donc je vais prendre ce violet là. Donc la palette, je vous montre, il est assez pâle. Voilà, celui-là. Donc c'est la palette Révolution et c'est la Unicorn palette. Donc je vais prendre ce violet là. Et en fait, je vais venir l'appliquer. Du coup, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière, mon creux de paupière. Il est trop beau ce fard. Dans mon creux de paupière. En fait, je vais carrément venir l'appliquer partout. Parce que de ce que j'avais vu, il n'y a que deux violets. Il y a un violet clair partout, en fait, sur toute la paupière. Il y a un violet foncé qui vient accentuer le coin interne et le coin externe en fait de la... Et le coin externe en fait de la paupière. Et ma lumière me casse les pieds. C'est horrible. C'est horrible de tourner avec tout le temps. Attendez, je crois qu'on va changer de cadre. Je vais vous mettre juste ici en fait. Je reviens. Du coup, je reviens dans un autre angle pour filmer cette vidéo. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Donc là, au moins, vous voyez bien ce qui se passe. Donc j'ai appliqué la couleur que je vous disais partout sur ma paupière. Les couleurs sont pas intenses. En même temps, j'ai pas vraiment de palette violette. De palette. Là, je suis obligée de prendre plusieurs fards de plusieurs palettes différentes en fait. Donc, hop. Donc voilà, je viens l'appliquer partout. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre
Donc, toujours des palettes de chez Make Up Revolution, avec un pinceau un peu plus précis. Donc un comme ça. Je vais venir prendre le violet foncé là au milieu. Donc celle-ci, c'est la palette Willow Marvelous Matte. Donc c'est que des mattes dedans. Du coup, je vais venir prendre le petit violet là. Et je vais venir foncer le coin interne, le coin externe, le creux de paupière et le ras des cils. Je le ferai tout à l'heure. Ça va pas aller. Alors attendez, hop, je reviens. Je viens vous prendre un pinceau plus précis parce que celui-là, ça va pas aller. Il est trop large. Je viens prendre un petit pinceau boule comme ça. Et je viens intensifier. Donc voilà, je viens intensifier en fait la couleur des deux côtés. Donc je fais mon creux de paupière que j'intensifie et je vais intensifier aussi le coin interne en fait. J'aime trop cette couleur. Je viens bien dégrader du coup les deux couleurs ensemble pour que ça fasse plus propre et plus joli. Sur le centre de la paupière, du coup, je vais venir appliquer un... J'aime trop. J'aime trop ce make-up, il est trop beau. Voilà. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Si je trouve les pinceaux que je n'ai pas pris... Ah, j'en ai pris un là. Donc en fait, je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Je vais venir faire mon ras des cils inférieur en fait. Vous voyez, comme ça. J'aime trop cette couleur. Donc je fais pareil des deux côtés. À savoir que je me débrouille avec deux fards violets parce que j'ai que deux fards violets. Voilà, je vais venir prendre un petit pinceau et je vais venir mettre du foncé en fait juste là. Et en fait, je vais remettre du foncé vraiment sur le coin interne. Voilà, vous voyez, bien sur le coin interne et bien sur le coin externe et sur le milieu de la paupière comme ça.
Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Donc, comme ceci. Et je vais venir prendre le petit... celui-là, là. Vous voyez juste ici. Et je vais le mettre, en fait, sur ma paupière... sur ma paupière mobile. Il fait pas mal de chute ce fard. Je vais mettre du spray fixateur dessus, je pense. Je mets un peu de spray fixateur. Je viens reprendre parce que c'est vraiment des paillettes pures en fait. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. J'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop, je viens estomper les bords. Je reprends un peu du violet. Voilà, j'aime trop et c'est trop beau. Du coup après, je vais venir prendre mon mascara et je vais faire donc mes sourcils, enfin mes cils pardon. Moi j'utilise toujours celui de chez Revlon, mais en fait depuis que je l'ai testé, je n'utilise plus que celui-là. En mucus, je vais venir mettre un crayon gris après. Hop. Je me suis mis le mascara dans l'œil. Oui. Il marque pas le crayon gris. Je suis deg. Je vais mettre un beige pour accentuer le...
Voilà. Et je vais mettre un petit rouge à lèvres nude, neutre. Et je vais faire une belle photo. Bonjour petit chat. Maman, elle va avoir fini. Je finis pas. Si ? C'est pas grave. Mon téléphone, il est là, donc on ne verra pas. Voilà. Et un petit pidi gloss. Hop. C'est un KKW celui-là. Voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je vous retrouve d'ici 30 secondes pour vous faire le close-up. A tout de suite. Voilà pour le make-up du jour. Mais j'espère que ça vous plaira. Je suis plutôt satisfaite de moi. Sauf ici, là, il y a un caca. J'essaie de gommer tout ça et tout bien refaire. Et de faire une jolie photo du make-up. Voilà. Oui, bébé, tu vas voir ton nounours. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.